سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons, chers frères et sœurs, quand nous avons arrêté la dernière fois, alhamdulillah, quand nous trouvons la permissibilité, nous bougeons quelque chose avec nous la main. Nous terminons le hadith Aisha radiallahu anha, quand il dit « Anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli fatahu shaytan » qui pendant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui veut faire salat, Shaitan fin vin kotli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin attrapé, fin lité avec lui et fin tranglé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire jusqu'à qu'il m'a fin ressenti fraîchir de sur la langue le mot lami. Si patiena dua de m'offrir Suleiman alayhi salam, azoudi ramatin et pour attacher afin qu'il bandi moun trouve li. Chers frères et sœurs, quand tu guettes ce hadith, veut dire de là, nous ne comprenons pas l'ordre d'Allah, basant le hadith que tu as mené encore, qu'il a permissibilité à un djimoun de bouger quelque chose avec son lami dans son lat. Mais ce qui intrigue nous dans ce hadith, c'est l'action qui nous passe. Donc de là, nous sommes un petit en dehors de nos sujets. Qui fait pour nous comprendre ce hadith, parce qu'il y a encore les autres connaissances qui nous capables de gagner depuis ce hadith, alhamdoulilah. Nous commençons par nous dire, parmi les quelque chose qui nous besoin pas oublier, pareil comme Azoudi, chaque personne, chaque dimoun, votre IQ, votre mémorisation, votre façon de comprendre les choses, n'est pas pareil. N'est pas pareil. Vous connaissez, l'iman, c'est un autre quelque chose, l'intelligence, c'est un autre quelque chose. Donc, il y a des gens qui sont capables de nous dire bien, on explique les, mais comment ils sont oubliés. C'est comme ça. L'oublier. Et dans le monde, vous êtes capable de dire quelque chose jusqu'à une mémorisation, jusqu'à une respiration, vous mémorisez. Vous respirez trois coups, le temps de dire non, tout vous mémorisez. Vous comprenez, chaque monde est différent. Lorsque vous avez dit que vous avez un premier compagnon, donc quand il dit une parole, chacun prend le bout qui vous comprend, le bout qui est présent, zone récit capté ça l'air là. Donc comme un savant qui vient après, zone rapporte ça hadith avec ban tabirin, y a d'après sahaba là, ça qui l'in comprend ça l'air là. Ça qui l'in mémorise ça l'air là. Donc l'in dit lui, l'impossible un seul événement, un seul. Tiens, à plusieurs sahaba présents, chacun les temps zone vive ça événement là. Je ne rapporte li dans signification divine en seul, mais dans mot qui je ne servis divine, divine différent. Nous prenons l'exemple simple. Un moussal li sorti, li pèse taqué robot là-bas, robot vient vers li sauter, un loto vient battre au lit. Ok. 5-10 moun trouve ça. Et n'a pour commencer avec vous, depuis imam, namaz et chaque soura in lire. L'état baïlène finit, l'inzouan, l'in fait banna salam. L'in assise, l'in cause, l'in fait ce sunnat. Qui fait? Parce que l'in témoigne tout ça là, lui. Samoussal, lui, qui t'y désade, là, lui, pas même trouve bouton. Lui, je crois que ça me trouve le tout là, finira ma bateau, lui. Mais pas pour même capable de dire, ou c'est pas robot là, là, tu roules, tu verras. Qui fait? Bazan, à ce temps-là, il y a la case. Lui, pour le rapport de ça qui? Tu connais, un coup de monde trouve tout du monde galoupé. Mais ça qui s'y demande, il n'y a pas de dire tout ça là, lui. Tout du monde galoupé, un coup de l'état montant non bilan. Mais si ça un seul événement parmi nous, seulement personne ne peut dire de Dieu,
Je te rapporte combien de monde mot. Qui m'a dit qu'il fait namaz. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui dit direct là. Ça va pas changer. Mais le ban les autres détails alentour, ils changent de nez là. Ils changent de nez là. Imaginez-nous ça, un seul événement. Nous pas dire qu'il n'est pas important, il dit mon mot. Mais seulement, il n'est pas important parce qu'il est dans une relation ordine. Mais c'est quand il y a une relation ordine. C'est un amana qui sa sahaba là pour prendre, pour y amener. Qui fait nous dire tout ça là? Si ce hadith là, Aïcha radiallahu anha qui nous rapporte ça. Et l'indien qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat. En première vue, nous ne pouvons pas penser que les filles font salat là, les tout seul, dans la case. Donc c'est pour ça que ce madame, il trouve cette étape là, et elle nous rapporte le hadith. Si nous prenons le hadith avec nous là, les filles comme ça là, oui non. Parce qu'il n'est pas capable, Aïcha radiallahu anha, en tant qu'une madame, il dit à l'aurier. Comment il est capable, il trouve sa action là. Donc c'était un sunnah, ou bien un nafid, ou bien un tahajjud, qui le prophète tu peux faire de sous la case. Donc sa action là, passe devant Aïcha. Ok. Mais l'étonnant de ça, l'autre hadith, rapporté par Abu Darda, radiallahu anha, hadith à nous, j'allais nous expliquer pour notre islam, inshallah, lui dire, comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fasami'anahu yaqul, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il débute, nous t'annis pour dire, A'udhu billahi minka, mon cher protection avec Allah contre toi. Thumma qal, al'anuka bilarnatillahi. Me donne-toi malédiction. Comment Allah te donne-toi malédiction? Trois coups de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit ça. Suivez-le. Abu Darda, radiallahu anhu, dit à nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin des bouts, et nous t'annis pour dire, mon péché est protection avec Allah contre toi. Me donne-toi malédiction, pareil, comment Allah nous donne-toi malédiction? Trois coups de dire ça. Wa basata yadahu ka annahu yatana walu shay'a. Li étale sur la main, comment dire, il peut manger quelque chose. On dirait aller venir comme ça. Falamma faragha min as-salat qulna. Comment il finit faire salat, nous dit Ali. Ah, veut dire que ça le prophète fait des bouts de namaz. Il fait des bouts de namaz. Il fait des bouts en tant que c'est pour ça que ça va sahaba l'entend ni peut dire ça. Banna dit Ali, ya Rasulallah, qad sami'na ka taqulu fi s-salati shay'an lam nasma' ka taquluhu qabla dhalik. Ya Rasulallah, nous n'entendons pas dire une petite chose qui avant ça, jamais nous n'entendons pas dire ça, une petite chose là. Wa ra'aynaka basatta yadaka. Et nous trouvons pas comment il étale ton ami. Veut dire, banna trouve ça action là. Veut dire, action là passe devant mon sahaba, banna trouve ça. Mais Aïcha radiallahu anha côté l'yalous. Au fait, il y a un riwaya sa haditha, basant le ban qui est présent. Basant le ban qui est présent, il y a une version de sa haditha. Nous continuons. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna radu wallahi iblis, ja'a bi shihabi min nar, liyaj'alahu fi wajhihi. Il dit l'ennemi Allah, iblis. Il vient vers moi avec Shihab, la braise d'Ifé. Depuis d'Ifé, il vient avec la braise pour lui jeter ça dans mon figure. Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça là. Fakultu a'udhu billahi minka thalatha marrat. Là, mon Dieu, je cherche protection avec Allah contre toi, trois fois. Thumma kultu al'anuka bilarnatillahi tama. Ensuite, mon Dieu, me donne-toi malédiction pareil comment Allah fin donne-toi malédiction. Falam yastakhir. Il a dit, il n'y a pas qu'à aller. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam explique. Il dit, moi, je dis ça trois fois, là, il n'y a pas qu'à aller. Thumma aradtu akhdahu. Il dit, si tant, je dirais, il est en mon gagne, mon envie, God, du côté de Dieu, là. Wallahi, laula da'watu akhina Sulaiman. Si pas tiens un doigt Souleyman alayhi salam, la asbaha mouthaqan yalrabu bihi wildanu ahli madina. Deban les autres riwayats, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit moi, tu vous prends lui comme il était, moi, tu vous attaches lui comme bazar, moi, tu fais tous mes enfants madina jouer avec lui. Ça, c'est l'autre riwayat, ça hadith. Mais seulement nous reprend. Combien de monde tu m'as d'accident? Des? Nous reprend hadith. Hadith, le point important, c'est quoi? Qui s'en a qui ne vient vers? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était Iblis ou non?
Ça, le point important. Ban détail là, basant l'eau, qui s'en a-t-il près, qui s'en a-t-il loin, là qu'il est venu. Quand nous prenons tous les deux riwayas, et nos co-riwayas, haditha, au fait, dit comme ça, chers frères et sœurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de salat. Création qui appelle djinn, c'est depuis la même nougaï shaitouan. C'est une création qui Allah fin crée avec dix faits qui sont invisibles. Et dans la donc qui bon, c'est ce qu'on appelle les djinn. Sa création qui est bon, qui nous appelle les djinn, les autres écoutent le Coran, les autres invitent pour adorer Allah, ça djinn. Ça l'autre bout de vacabon là, veut dire qu'il incite dix mounes pour vivre de désobéissance à Allah, ça banna qui nous appelle les autres shaitouan. Ça banna qui nous appelle les autres shaitouan. Donc, sa bonne création là, quand vous venez avec dix mounes pour faire lui désobéir à Allah, c'est shaitouan, pas djinn. Comme nous avons déjà dit, chers frères et sœurs, Alhamdulillah, parmi les façons que Shaitan gagne un djimoun, c'est que quand quelqu'un est touché par une messenger, je dis ah, il y a un djinn. Mémorise-le, comme on mémorise ou non. Un djimoun jamais gagne un djinn. Pas existe. Un djimoun gagne Shaitan, jamais gagne un djinn. Ah, on peut jouer le homo là, pas peut jouer le homo là. Djinn, c'est ça. Création qui ne crée avec dix faits qui est invisible, qui reste dans l'obéissance à Allah. Ça, on appelle un djinn. Mais sa création invisible qui ne crée avec dix faits, qui fait dix mounes, fait péché là, ça s'appelle ça, Shaitan. Vous trouvez pareil? Vous trouvez pareil? La cause, tous les deux invisibles, tous les deux, ils ne créent avec dix faits, jamais. Djinn, ça qui est bon là, ça. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on peut dire à nous, Nafarum min al-jinn yastami'una ilayk. Oh Muhammad, il y a un groupe djinn qui écoute toi quand tu peux dire le Coran. Quand je retourne vers ce peuple, je dis Ya qawmana ajibu da'ri Allah. Oh nous peuple, réponds. Sa da'wa, sa da'ri qui vient depuis Allah là. Ben djinn invite vers Allah. Mais Shaitan, non. Donc, premier, nous devons finir clair l'eau là. C'est Shaitan qui vient là. Shaitan, chers frères, oui. Pour la permission d'Allah, peine à sortir de là, ça c'est la base. Quand je prends une forme, je suis capable de prendre une forme ni chien noir. Bon, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont au djinn, hein? Et nos frères finissent faire ça. Mais nous, avec nos hadiths, je suis capable de prendre une forme d'immune, je suis capable de prendre une forme serpent, je suis capable de prendre une forme là. Mais seulement quand je finis de prendre sa forme là, si je trappe dans sa forme là, je dresse comme ça même, je vois qu'arrêter une fois, je t'y étais invisible. Quand on trappe un chaitouan dans la forme qu'il prend, comme Abu Hurayra, radiallahu an, quand il gagne sa djimoun qui t'y coquin là, quand il bloque lui, il se dit revenir invisible y aller. Quand il bloque lui qui est arrivé, il reste comme ça même, comme un djimoun, tu as sauvé ce dire. Ça. Sahaba là, quand il rentre dans la case, c'est un serpent l'eau sur l'île. Le temps, il y a voix sur les l'île. L'île, le serpent là, il y a un chaiton d'un seul côté. Qui fait? Parce que chaiton, quand il prend une forme, comment il trappe l'île là-dedans, qui est arrivé? Il y a retourne sur la forme d'origine. Il veut dire qu'il revient invisible ou perdu l'île. Il y a capable ça. Et il y a une seule explication qui dit, le divin de forme en sat, dans la manza là. Mais seulement sa parole-là n'est pas soutenue par non. Donc, Shaitan, tous les temps, si nous, Shaitan, fatigue nous dans la masse, à ce un prophète, il ne peut plus fatiguer, oui, non. Il ne peut plus faire tout fatiguer. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de salat dans la masse. Les temps, il trouve, sa Shaitan, bien, c'est comment il trouve lui. Il prend une forme qui permet de trouver lui. Il prend une forme qui permet de trouver lui. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous dans sourate Al-A'raf innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Certainement lié avec ce même tribu, je trouve ta place qui toi tu pas trouves autre. Ça c'est le cas général. Mais quand il prend une forme, il peut permettre qu'il nous trouve lui oui non. Quand il prend forme une chaîne noire. Nous trouve lui oui non. Nous trouve lui. Nous trouve lui. Donc il prend une forme qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous trouve lui et il peut avoir ça différent là. D'abrise là, de figure le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, pareil, définitivement, plus grand l'exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avant lui, beaucoup de prophétie passent comme ça. Et Allah, tous les temps, il est pour essayer de trouver Shaitan qui vient attaquer tous les temps ça.
Donc ici, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam trapli. L'étonne in trapli, l'in trang le li, sa forme qui l'in prend là, il a la langue. C'est l'explication là, là. Sa forme qui l'in prend là, pareil comment c'est si tu prends forme en li chien, c'est si tu prends forme en sat. Sat là, pour la langue, oui non. Faudrait pas nous penser, c'est juste des hauts qui l'in, comment dire, sat là, non. Il y a une condition, ça, il y a son ligé, son oreille, son la bouche, son les dents, son la langue. Il y a ça. Donc sa forme qui l'in prend là, il y a la langue. L'étant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pèse lui, la langue là pour obliger son outil, oui non. La langue là. La cause ça qu'il dit à vos sentis frères, c'est ça. Sur la langue, le mot là, mais. Pas nécessaire que tout Satan est dans la langue. Il n'est pas venu comme ça là. Il vient d'après sa hadith. Il vient d'après sa hadith. Nous continuons. Qu'il soit de premier ou bien deuxième, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui tient à l'intention pour faire? Pour garder comme ça même. Comment nous dire quand on trappe, on gagne. Il peut arriver invisible, il peut bien rester comme ça même. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comment sa hadith avec nous ici là, qu'il dit? Bliez sa bout Souleymane alayhi salam, nous venons avec lui. La asbaha mouthakan. Mouthakan qui veut dire? Mouthakan, il veut dire qu'il est suspendu. Ou bien, wathaka, al-wathik, wathak veut dire un agreement. À l'époque, quand tu peux faire un deal avec un dimoun, qui vous fait aller là? Aujourd'hui, c'est pas nous gardons nous contrat ou gardons nous contrat. À l'époque, on ne suspend pas le contrat là. Là. Faisons tout trouver ça contrat là. C'est pour ça qu'il servit ce mot, Mouthakan. Veut dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu vous mettez lui, comment dire, un contrat, mettez lui d'un côté, yal rabu bihi wildan ou ahlil madina. Tout wildan, tous tes enfants, tu viens, tu vous yon li. Mais c'est le mot qui fait le prophète pour faire ça. Get qu'il dit à ce dire, Wallahi laoula darwatu akhina Suleyman. Si patina doa Suleyman alayhi salam. Qui doit ça? Doa qui trouve dans Sourah Sad, ayat 35, si je ne pas fait errer, mais si on trouve dans Sourah Sad, quand Suleyman alayhi salam dit, oh Allah, donne-moi un mulk, la yambar il y a hadin, qui personne après moi paye dans sa royaume là. Ok, qui royaume ça? Qui royaume dans ce royaume, Suleyman alayhi salam? Pareil comme son papa, tu peux faire, lui tu peux faire juge, et tu peux faire jugement. Get ce hadith comment il était là? Daoud alayhi salam, tu peux faire jugement. C'est pour ça que Banna tu sautes, tu viens côté de Sourah Sad. Même pareil, Banna vient dire Fahkum Bainana. Oh Daoud, fais un jugement entre nous deux. Ensuite, quand Allah dit Wawaritha Suleyman ou Daoud, et Suleyman alayhi salam hérite depuis Daoud alayhi salam, il hérite sur Sato, veut dire les rois viennent prince, il hérite sur prophétie, il hérite sur sagesse, il hérite tout depuis son papa. L'état Suleyman alayhi salam, il vient comme un juge. Parmi qui ban nizize? Parmi ban, dimoun? Ban divan? Il ordonne zot, fait ça. Ensuite, parmi qui ban nizize? Parmi ban djin? Oui, non. Parmi ban djin, ni pour jugement. Si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam prend li al met là-bas, il fait un jugement là, li, là oui, non. Il fait un jugement là, li, parce qu'il y a un coupable. Il y a un coupable là, oui, non. Si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam prend ça à le mettre là-bas, il fait un jugement, ben Yalmazin Suleyman alayhi salam qui dit ça. Wallah, pas fait personne gagne, ça moule comme moyen là. Et là, il y a une histoire à l'os. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je pense que malgré qu'il se dit fait ça, quelqu'un tu peux dire quelque chose? Personne tu peux dire non. Mais seulement le fait que ça c'était souhait, Suleyman alayhi salam. Ou Allah, de sa qualité qui te donne moi là, me fait un jugement, me donne l'autre divan, me donne l'autre, me donne ban là l'autre, me fait un jugement entre ban djinn. Ou Allah, pas d'une personne sa qualité là. Mais si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prend ça à le mettre là-bas là, veut dire qu'il fait un hukm, un jugement l'oli, pareil que moi un juge, je prends un tel, aller al fouet li là-bas, al fait tel tel quelque chose. Là qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Wallahi, laoula darwatu akhina Suleyman, si pati na doa mon frère Suleyman alayhi salam, moi tu vous mettez là-bas. Juste pour lui pas tomber dans sa catégorie qu'il vient faire jugement là. Ça c'était explication. Le hadith qui nous termine la dernière fois, chers frères et sœurs, donc peine à n'en de drôle là-dedans, nous trouvons depuis le hadith là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, solamé in bouzé dans la maz là,
et si elle est vraiment petit devant lui et vraiment quand il pèse la langue il se retire. Comment se fait-il Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient trouver un invisible, l'intrangle li, ensuite dit tu peux mettre suspendu, etc. Chers frères et sœurs, nous continuons avec ça qui est avec nous aujourd'hui, c'est répondre à salam. Vous connaissez parfois, nous n'apprenons, je dirais, il y a une perception ça. Vous connaissez ça, man grand du monde là. Allez, qui est le problème au grand du monde? Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez l'état, nous avons internet, nous avons comme les hadiths, nous connaissons. Mais nous avons tout ça, tu crois ça? Tu sais, ça grand du monde là, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais seulement quand la peau tape, Zami Modadi, il sortit son olni. Il n'y a pas connu qui s'en a qui devant la porte là. Quand la case, Zami Monani, il assise devant son beau-frère, son olni. Moi, je veux dire, pour nous, nous, nani, là, grandi moun là, ça. Azodi, Mobeti dans la case, Mozaïnab dans la case, il est capable de faire un dars, un leçon le hijab. Mais seulement quand il y a le travail, il se doubata l'eau sur les épaules. La balaye, pas qu'on a aucun ayat courant hadith, hein. Mais seulement il connaît qu'il a la loi d'Ina Djessa. Ici là, c'est là qu'il connaît l'ayat Qur'an, il connaît qui référence, il connaît combien lettres ayat là. Mais seulement pratique côté. Pratique la glace. Zéro. Qui vient nous dire ça? Parfois, on trouve un grand dimoun, rentre dans Mazid, salam alaykoum. Il fait salam, il rentre. Mazid, vite, il fait salam, il rentre. Tu crois, hein? Tu crois, vrai? Hein? Mazid, vite. Chers frères et sœurs, est-ce que nous connaissons sunna ça quand un dimoun rentre dans Mazid? Après avoir qu'il ait fini l'yé dehors, il fait salam quand il rentre dans Mazid. Pas faire salam devant la porte pour imam, tendez ici. Mais seulement l'eau en son, salam alaykoum wa rahmatullah. Quand nous étions avec ce sunna là, comme il dit, on vient dimoun encore faire est-ce qu'il a dit? Il peut qu'on a dit ça, non, il a dit. Mais il peut trouver quand on rentre dans la case, diamant fait salam, mais comme on veut rentrer dans la case Allah, on va faire salam. Je dis, qui peut passer? C'est l'inconnu, il y a beaucoup plus bon. Alhamdulillah. Mais seulement, il peut vivre un sunnah qui ne pas connaît, oui, non. Il peut vivre, les frères. Il peut vivre. Les. Donc là, un qui vous pose une question, il peut rentrer dans ma zid, il peut faire salam. Mais pour les trois corps du monde, il peut faire namaz. La cause qui nous apprend, la cause qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour action lui enseigne nous, comment nous répondre à un quand il fait salam, nous n'entendons salam là, même dans namaz. Mais là, la question posée, mais qui fait dans namaz, vous avez répondu? La réponse c'est, faire salam à un djimoun, les sunnah. Veut dire, un sunnah, c'est un bon principe, un bon image de l'islam. Répondre salam, c'est wajib, t'es obligé de répondre quand tu fais salam. C'est la différence qui vient à se dire. Faire salam, c'est un sunna. Veut dire demain, Maïa pas trop dans moi. Mon trou lit parce que c'est la porte là, soit disant ça l'est la mauvaise lire. Vous crazy, on fait salam. Ok. Tu vas le répondre seulement, hein? Tu vas le répondre. Mais ça, mon récit crazy, mon pan fait le salam. À se dire, c'est réciproque. Je ne peux pas gagner ici, pas gagner moi. Non, je dis moi, on se casse maille. Salam alaikum. Qui n'arrive là? Il est obligé de répondre moi, c'est-à-dire. Il est obligé. Parce qu'il répond salam, il est obligatoire, c'est-à-dire. Donc, l'état nous mazine, sa grand frère qui peut rentrer dans ma zid, l'état nous t'en s'assied là, l'état nous peut rentrer dans ma zid pour les sons, etc. Nous t'en ni faire salam, mais moi, je me donne à ma zid. Là qui s'amasse là, vini à se dire. Comment tu réponds à un djimoun ce salam dans la masse? Sinon, quand on dit un djimoun, je vais vous répondre du salam. Il rentre dans la masse, il ne peut pas dire tout, je ne peux faire la masse. Pas nécessaire. La cause, si tu entends ce salam là, il est wajib le toi se dire. Et il y a quelque chose qui est wajib, comment nous apprendre? Si nous faisons, nous gagnons ça wab, et si nous ne faisons pas, nous gagnons. Il y a un salam qui a fait nous gagner. Donc nous prenons hadith là, chers frères. Rapportez par Jabir radiallahu anhu de dire, pendant qu'il nous dit dans un voyage, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu envoies moi pour faire une action, une affaire, comme on finit de retourner, on vient de trouver, puis aller le saumontier en faisant salat.
Et c'est dans beaucoup hadith. Inch'Allah, si le temps permet nous, quand nous pouvons, concernant ben, les autres namaz qui pas obligatoire, nous pouvons faire namaz devant une monture. Inch'Allah, nous pouvons faire namaz qui fait devant une monture. Un parmi là-dedans, c'est ce hadith-là. Lorsque le sallallahu alayhi wa sallam, sur Samo, il peut aller lui faire namaz. Il dit, mon fin fait lui salam et il fin fait signe avec moi. Nous fin signe, comment était dans le prochain hadith. Et il fin fait signe avec moi. Signe là, c'est quoi? C'est le répondre à mon salam. Sina, c'est quoi? Il dit, quand il finit terminé, ça c'est continuation du hadith. Hein? Quand il finit terminé ce soir-là, il appelle-moi, il finit dire moi, fais que là, tu fais moi salam pendant qu'il m'a fait un namaz. Ça l'air là, tu peux aller dans la direction de l'est. Qui fait le bisan djali habout là? Qui fait le bisan djali habout là? Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut cause avec lui, peut faire lui connaître qu'il m'a dans namaz. Fait que là, tu me fais moi salam, moi tu peux aller dans la direction de l'est. Mais qui fait une bizarre dire ça? Parce que le fait que ce n'était pas un namaz obligatoire, comme on fait mon takbir dans la direction Qibla, même mon monture sur la direction licenciée, mon namaz continue. Parole de mémorisienne, c'est le coup de l'air. Nous aurait dit, si nous arrivons à dire qu'on peut faire un namaz qui n'est pas obligatoire là, sur monture, arriver qui, ce direction inal sans zé, chef frère, de ce monture, parce qu'il n'y a pas de contrôle monture là, namaz qui n'est pas obligatoire, ça dit qu'on a ce namaz là, les continuer. Quand nous disons dans plus de détails, ça nous vient avec lui, Inch'Allah, reste avec nous salam. Nous salam, c'est quoi? C'est. Il fait salam le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète il cause avec lui concernant namaz. Il dit qu'à Djali, fais que là tu fais mon salam, moi tu donnes namaz. Tu fais mon salam même? Bon, parle au saton là, le prophète cause au lit. Ça moi, mon ton. Moi tu veux faire namaz. Où va-t-on trouver mon tu dans namaz, ça l'est là? Le prophète pas de cause au lit là. Il cause au lit là en direction. Pour montrer nous qui première action là finit approuvé, oui non? Première action là finit approuvé. Qui action ça? Faire salam en dimoun, même li dans namaz. Rapporté par Shu'aib radiallahu an, li dit, moi tu passes contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il te fait salat, moi fin faire li salam et li fin répondre moi en signe avec sur les doigts. Avec sur les doigts. Mais c'est moi hadith, ça pas de préciser qui les doigts, la cause là nous reste les doigts. Qui fait parce que le prochain hadith qui va avec nous, Inch'Allah, nous vous donne une explication claire comment nous répondre à un dimoun dans namaz. Donc là aussi, nous trouvons que le prophète finit répondre à un salam, oui non. Il ne répond ni pour un signe. Mais si là, ici, il n'est pas assez clair parce qu'il vient avec un les doigts. Mais avant d'aller avec l'autre hadith, qu'est-ce que ça a à la Shu'aib? Au fait, nous connaissons, nous entendons ça, nous, la Shu'aib. Ce n'est pas Shu'aib là. C'est Shu'aib, Sod, Hefler, Yé avec B. Souhaib, son vrai nom, pas son vrai nom, son nom continue, Souhaib à Rome, Rome. Li parmi ban premier qui finit embrasse l'islam, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu commences d'awa. Les temps qu'il saute dans Rome, pour les romains, ils viennent dans Makka, chef et sœur, ils partent dans Nanyi. Nanyi, ils partent dans. Il vient dans ma cas, il commence à travailler, trace ici, trace là-bas. Comment dire, je dis, les autres qui viennent dans Maurice, parti dans Nanyé, c'est dans l'ancienne Motrilens, à Zodji, tu as eu. Dans ma cas, il t'en dit qu'il y a une personne de Darul Al-Qam. Darul Al-Qam, c'est quoi? Au fait, c'est nous, en Zahaba, Al-Qam. Ce nom, ça. Darul Al-Qam, Darul veut dire la case. Tu peux recevoir le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et que les autres sahabas ont caché de venir zouenni, ils expliquent que l'islam, ils acceptent l'islam. Souhaib al-Rumi vini, il écoute, il embrasse l'islam. D'accord, ok. Depuis que les autres, pour lui, il est d'accord, de Quraysh, il a gagné une nouvelle là, il a commencé à veiller. Qui fait qu'il a veillé? Pourtant, il a commis pour embrasser l'islam. Banna ena satile dans la compte li. Qui les dans? Tu ne viens pas te partir dans Nanyé, tu ne fais casse dans nous l'endroit. Pas qu'à vas aujourd'hui, nous perdons toi. Donc je commence à veiller. Le temps arrive là pour faire Hijra pour le Madina. Li vient avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hier, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, faire Hijra avec vous. Banna gagne sa nouvelle là. Banna bloque li.
De là que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, juste avec Abou Bakr radiallahu anhu avec un guide. Madame Blokli, tini, il retire, il ne pas gagner. Jusqu'à ce qu'il arrive là pour Allah écrire sa liberté, pour une action simple. Vous connaissez à l'époque quand il n'a pas la toilette, pas commencer là, c'est pas fouillé, ou bien aller au désert, aller loin. À l'époque, il était comme ça. Je veux dire, pour aller à la toilette, ou morcer, ou arrive trop fanfaron là-bas. Là, là, voir aux toilettes, ensuite de retourner. Ben, l'État, il dit, ben, n'a pas permission pour y aller aux toilettes. Ben, qui vous faire? Pas qu'à suivre lui. Il y a allé, il prend direction, il est sauvé. Ben, là aussi, Rodli. Qui fait nous dire ça, chers frères, parce qu'il y a un événement qui vous vient après, sans compter qui, apporte sa hadith, il va me rapporter beaucoup hadith. Il va me rapporter beaucoup hadith. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il est pour faire là? L'État, ben, n'a gagné, il dit, connais-moi, tu es flèche bien. Parce qu'il y a un peu d'un noir là. Il dit, et n'importe qui, ça n'a pas au musée qui bougeait là, moi, tu es flèche, moi, gagne. Ben, n'a qu'on dit. Ben, j'ai dit oui. Il dit, qui fait ce papa, laisse-moi aller. Ben, j'ai dit, tu viens, continue, tu partis dans la nuit. Tu gagnes tout ça là. Il dit, c'est mon casse qui m'a gagné, mon travail qui m'a gagné, qui peut empêcher de faire hijra là. Ben, j'ai dit oui. Il dit, ben, j'ai de telle place et dans telle quelque chose, tout m'a du bien là-bas, prends tout pour jeter. Laisse-moi aller. Banadjali, banal checké, gagne tout. Banadjali, allez à l'os. Il quitte tout l'aime, oui, non. Il quitte tout l'aime. Il quitte Maka tout de suite, là, oui, non. Qui mon frère, c'est-à-dire, y aller. Chef, frère, c'est un bien qui suit, c'est-à-dire. Comment il rentre dans Madina? Normal, on rentre dans Madina. Qui fait on quitter? La cause Sadine, là. Donc, c'est là qui voit le rôder. À la tête de Sadine, là, Mohamed. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Chef, comment il guette les prophètes? Les prophètes lèvent la tête, guette les jalis comme ça. Un de ban plus meilleur business qui te capable de faire. Un de ban plus meilleur business qui te capable de faire. Un de ban plus meilleur business qui te capable de faire. Les guette les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, ya Rasulallah, apporte-moi personne pour quitter Makkah in vinia zoji. Jibril alayhi salam qui ne fait aucun salos. Vraiment un prophète. Personne pour quitter Makkah. Parce qu'il est connu de son business. Mais seulement casse in bloc li ça là oui non. Casse la pas vienne un obstacle pour lui. Il a accepté qui tout. Dans une qui tout là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui dit chers frères, ça même meilleur business qui te capable de faire. Ça concerne sa sahaba là, mais quand nous venons avec nos sujets, c'est là qu'il nous a explication là, rapporté par Ibn Omar radiallahu anhu. Il dit le messager d'Allah qui sorti et qui al à Quba pour lui faire salat là-bas. Comment nous connaissons Quba, c'est le premier masjid qui vient arranger dans l'islam. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient descendre dans Madina, il arrange le masjid en Abaoui. Donc, le fait qu'il premier masjid dans l'islam, nous dit bien premier masjid dans l'islam, qui fait? Parce qu'il m'a quitté déjà là. Pas de bizarre, on sait, Makka. Il m'a arrangé le masjid, tu es déjà là. Mais quand il fait hijra, dans Makka, bana, tu peux faire namaz. Ok, masjid. Parce que tu peux via direction, Betul Muqaddas. Kaaba, tu là. Mais seulement quand maintenant vient Makkah pour vous arranger masjid d'Astir. Donc, le premier masjid qui est rangé, c'est masjid de Quba. Donc, pour donner encore valeur, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tous les samedis, il marche, il y a là-bas. Il fait des rakats. Et comme lui-même dit nous dans l'autre hadith, qui ça des rakats là équivaut à un umra. Vous avez qu'à ce que tu guide. Oui, nous connaissons. Oui, mais. Ou les gens sont rentrés là, ils sont venus, moi, de salir. Et ils sont rentrés, ils sont venus qui est dans le masjid là. Hein? Moi dis, ah ben, ça nous a fait les choses qu'à 11 h. Mais Inch'Allah, Allah met sa frère c'est qui dans la danouka, dans nos cabales. Ça, parmi les gens qui sont plus importants. Retournons. Lydia, ben, Ansor, vin vers lui, et tu peux faire lui salam pendant qu'il peut faire salat. Moi, fin demande Bilal. Moi, tu trouves le messager d'Allah, réponds-le salam quand ben, tu peux faire lui salam pendant qu'il est salat. Bilal fin dire comme ça. Oh, ben Ansar quand il est passé trouve le prophète peut faire namaz salam alaikum ya Rasulallah. Mais Bilal comment le prophète répond-je get qui lui dit hankaza yakoulou hankaza lui dit comme ça wabasata kaffahu kaff c'est la main basata yuvia sur la main wadjara la batnuhu asfal wadjara la dhahruhu ila fauk ne pas de namaz comme ça il est ouvert sur la main. Ça qui est en bas, ça qui est là-haut, là-haut, là. Il finit de répondre de salam. Simple. Comment Bilal radiallahu anhu explique ça? Yakoulou hankaza, wabasata kaffahu. Il y avait sur la main, ce poignet là.
Ou dire à la batte nous on asphalte. So pomme la main, li met li pas en bas, et que cela, ou dire à la zahre ou il a fort. Il n'est pas sur la main comme cela. Fini répondre salam. Qui fait comme on dit, je suis prêt parce que pour répondre un salam, il est obligatoire, oui non. Ça, c'était juste pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant quoi? Concernant Banna, passer, faire du salam. Pas dit, mais tu rentres, tu trouves un frère, fais un salam alaikum. Ça n'a pas fait comme ça quand même. Zot jeune prophète, la cause, ça c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais en général, si le même ou dans la case, moi en tant qu'une fille, en tant qu'une madame, moi une famille rentrée, ou connaît que la famille vini là, ou à dire qu'on vini à dîner là, ça salam qui les bouffé, là, ça là, qu'on banna. T'es dans la salle là-bas, t'en finis dans zotte salam. Donc comment te pourrais répondre zot, excepté que tu ne tournes jamais comme ça, il suffit. Comment nous dire, chers frères, chers sœurs, l'État nous guette une action pareille. Nous trouvons simple, nous. Mais seulement nous pouvons imaginer nous, 400 ans de cela, nous prophètes nous faisons ça. Imaginez nous l'état où faire ça. Ou. Qui vous sentit là? Vous faites pareil comme vous prophètes nous faisons. Vous faites pareil comme vous prophètes. Ça qui appelle revivre un sunnah. Ça qui appelle revivre un sunnah. Faire vivre dans nous. Ou imaginez nous, au moins dis ça. Comme on trouve Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jour qu'il on dit, Ya Rasulallah. Mon imite tout, comme tu réponds, on dit mon salam, on dit dans la namaz. Au moins une femme, on imite tout. Au moins, ça va une action là, nous capables d'amener. Et dernier hadith qui est avec nous, juste pour aujourd'hui, chers frères. Ensuite, l'autre semaine, Inch'Allah, nous continuons. C'est hadith que Abu Arla, il dit à Othman ibn Abil Ras. Abu Arla, c'est un tabirin. Il dit que Othman ibn Abil Ras. Othman ibn Abil Ras, c'est parmi les premiers qui finit embrasse l'islam au commencement. Dans ma cas, et les parmi ban qui fin témoignent, certaines la guerre dans Madina, et même dans l'époque Othman, dans l'époque Othman, radiallahu anhu, tu mettais à la tête, les dire, les fin vin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les fin djali, au messager d'Allah, shaitan fin vin comme une barrière entre moi et mon salat et mon lecture. Les faire moi faire confusion. C'est ce qui a aujourd'hui nous dit nous perdons concentration. Mais seulement ici, fait bien la différence. Et il y a une différence entre nous perdons concentration. Avec différemment faire confusion. Veut dire, quand on peut lire là, on peut commencer à douter, on peut commencer à rater. Ça qui vient de hadith. Mais quant à concentration, ça c'est une autre chose. Donc, Sahaba demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique ça. Dès là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça c'est un shaitan qui appelle Khanzam. Ça c'est un shaitan qui appelle Khanzam quand tu ressentis sa présence. Est-ce qu'il est possible ça? Oui, chef frère, il est possible ça. Vous connaissez parfois ou 90 monde, vous direz qu'il peut exagérer. Non. Ou pas trop fort, ou même là. Le temps de rentrer, on est frais. Ce n'est pas aircon, c'est pas une question aircon, là, nous cause masjid, la case Allah. Vous trouvez une tranquillité dans masjid, là, oui, non. Parfois, vous allez dans une place, vous direz. Moses, get place là, moi, j'ai ta franc. Non, allez, papa. Non, allez. Qui te veut pire? Non, pas question pire, monsieur, moi, François, moi, j'ai toi. Pas tranquille comme moi dit là. C'est pas une question pire là. Mais seulement, pinentien. Quand il est parfait, on dirait pinentien, on dirait pinent tranquillité. Divini, on dirait, on a ressenti ça. Il existe, hein? Il existe. Ah, il paraît que moi, tranquillité. Ou gagne, dit, hein? Prends des roupies tranquillité, t'as l'air que t'as la case. Non! Comment tu rentres la case, comment tu demandes qui n'est quoi, sa réponse qui t'a gagné là. Toute tranquillité, on finit en voulait. Pourtant, on prend des roupies tranquillité, t'as l'air là. Pas vendre, rabat. Tranquillité, moi je dirais que moi te rentre la case, même de trouver mon petit enfant avec galoper comme ça, fait venir toi, quitte sac travail. T'en oublié, t'es pas au bain, qu'est-ce qu'il est arrivé. Si t'en vas dire, ça m'a une question, ça pas vendé ça. Ça pas vendé. Donc, moi nous dis, chers frères, c'est mon ressentiment qui est indimoun. Moi, c'est nous, ou fait que vient papa pour l'eau d'Allah, ou sur le travail fatigué, comment on vient, ou pas qu'on ouvre la porte, ou juste mettre machine en bas, ou mettre un papa depuis là-haut. Ni fini qu'on est enfants là. Avec qui il démonte ça l'escalier là. Que ça contentement là. Est-ce qu'il on dirait bizarre? Non, c'est un truc qui est ressenti à l'intérieur ça. Donc c'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit quand tu ressentis sa présence. Donc il retourne dans sa personne, cherche protection avec Allah contre lui et crasse un petit crachat de ton côté gauche 3 fois. Un petit. On dirait crachat là pas besoin de tirer la crasse. Cherche protection avec Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fatawarraz billahi minhu, wanqul ala yasarika thalathan.
cherche protection avec Allah, veut dire pour dire a'oudhu billahi minash shaitani rajim. Comment nous faisons-le? A'oudhu billahi minash shaitani rajim. C'est tout. Et crache un petit crachet de ton côté gauche trois fois, lui dire moi fin faire ça et Allah fin faire lui aller depuis moi. Allah subhanahu wa ta'ala fin faire lui aller. Donc il continue sa lecture, il continue ça pas fatigué et surtout chers frères, en tant qu'un imam, nous gagnons ça souvent. En tant qu'un frère qui fait imam, parfois on va trouver imam venir on dirait il y a il commence mailler, c'est pas même de tarawih tout ça, c'est pas lui pas réviser ça. Ayo allez moi je dis rose à l'entrapli, pas nécessaire ça. Ça toi qui peux dire ça parce qu'il y a un chaiton qui lui vient dis attaque ta lecture li. Li fait toi commence de un sourat al termine de l'autre sourat là là-bas. Tu me pas rendre compte. Il fait qu'on commence un surah, il termine dans l'autre surah là. Ça, Shaitan Khanzabla, il attaque 10 lectures et il attaque ban azkar qui est là. Pour nous terminer, pas répondre seulement là. Hein? Combien de fois qu'il n'y a pas arrivé avec mon aldo roku, Subhanallah, 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 Subhanallah. Quand nous dans Sijda, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Comment il fait arriver nous ça? Azkar qui est besoin de lier dans une posture, nous lier ça dans une autre posture, parce qu'il y a un chaiton, il n'est pas venu attaquer nos concentrations, il vient attaquer juste sa bande lecture qui est là. Donc ça dit, mon qu'on trouve ça, puis il vient répétitif avec lui, c'est là qu'il fait ça, sa action là, et Inch'Allah, l'autre semaine, nous continuons. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajmarin, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.